Ok, bon bah séquence suivante, donc toujours l'éco-parc de Noroy-le-Veneur. Bon bah on va continuer la petite boucle, je vais remonter sur ce mécours. Voilà, bon allez c'est parti. Et il y a quand même pas mal de monde qui vient pour profiter de l'endroit parce que c'est tranquille pour marcher, courir, c'est pas mal. Ah, les toutous. Voilà, donc là au fond, là sur l'espèce de colline, là c'est donc ce méco. Bon, le problème pour redescendre, comme j'ai expliqué dans la séquence précédente, c'est de redescendre, pas le tout de monter, redescendre après. Eh oui. Le réel problème en fait, c'est que la piste cyclable qui descend. Et très 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 dangereuse et impraticable pour les rollers parce qu'elle est extrêmement raide et avec des boucles et surtout des barrières au milieu, enfin surtout plus à la fin on va dire, et du coup c'est ingérable. Du coup bah voilà, je vais être obligé de descendre par la partie voiture. On va la récupérer plus bas, donc faire un détour quoi. Voilà. Alors, on se rend pas compte là comme ça, mais ça grimpe. Hein. Et c'est rien comparé à la suivante. Là, c'est la partie échauffement, on va dire. Alors, la descente là, enfin la suivante, pardon, je l'ai déjà faite en roller. Alors, le truc c'est qu'en bas, on n'a pas vraiment de distance pour s'arrêter, freiner ou. Enfin voilà quoi. Alors, c'est assez hard, c'est vraiment chaud d'arriver en roller, faut bien gérer sa vitesse dans la descente. Ouais. Parce que le problème, en roller, bon bah, on peut faire du slalom, faire un peu de chasse-neige éventuellement, mais voilà quoi. Si on commence à prendre de la vitesse, après pour s'arrêter, c'est un peu la cata. Donc voilà la fameuse montée ou descente, ça dépend de sens évidemment. Et donc, si on s'arrête pas, voilà quoi. Ce qui nous attend. Bon ben voilà, petite pause, puis après j'attaque la colline.